Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 331 d'art dramatique. 331, je voulais pas faire de cours ce soir, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est terrible. Les temps que l'on vit actuels. Mamma mia, mamma mia. Terrible. Terrible. On ne sait plus à quel sens se vouer. Pas préparé, j'ai rien préparé pour vous. Je voulais simplement jouer un peu de musique pour passer le temps. Je ne vais pas parler de n'importe quoi. J'ai la parole et j'ai rien envie de dire. Nous sommes dans un monde fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voudrais pouvoir critiquer le monde, mais c'est pas la critique qui fera avancer les choses. Je ne pense pas. Je pense que ce sont les découvertes scientifiques, aussi bien en psychologie qu'en économie. Actuellement, on souffre d'une économie apparemment faible, puisqu'elle provoque des mécontentements dans l'ensemble de la population mondiale. Il suffit qu'il y ait un qui proteste pour avoir 90 qui protestent. Donc, il y a bien quelque chose qui n'est pas juste dans l'économie mondiale, qui ne fonctionne pas.
cette économie mondiale, pour la faire mieux fonctionner, il va falloir apporter des solutions extraordinaires. On ne peut pas, par une révolution, renverser l'économie mondiale. On ne peut pas. L'économie mondiale obéit à des lois déjà très solides. Pour changer ces lois, il va falloir réfléchir correctement. Si l'on ne change pas les lois, on va à notre destruction. Destruction totale, le monde est voué à sa perte, dans peu de temps d'ailleurs, puisque tout le monde est mécontent. Alors il va y avoir que des révolutions, on ne s'en sort plus. Il faut que les gens qui habitent la planète soient heureux de vivre dans le monde dans lequel ils se trouvent. Et ils seront heureux à partir du moment où ils auront des finances. Les finances, c'est quoi? C'est l'économie. À partir du moment où l'organisation économique du monde est juste et rentable pour les petites gens. Actuellement, elle est rentable que pour les grandes, super puissances économiques. Elle est rentable, très rentable. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires sur la Terre qu'actuellement. Mais ce n'est pas une distribution de richesses équitable envers les riches et les pauvres. Et la distribution équitable de richesses va passer par une remodelage des lois économiques. Les lois économiques doivent être transformées pour le bien des plus grands d'ailleurs, pas seulement des petits. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'un bienfait humanitaire profite à tout le monde, ne profite pas qu'à une couche de la population. Il ne s'agit pas de défavoriser les super riches au profit des petits. C'est pas ça du tout. C'est de transformer l'économie à ce qu'elle soit plus rentable pour tout le monde, aussi bien pour les riches que pour les pauvres, qu'elle soit encore plus valorisante, encore plus intéressante. J'avais proposé quelque chose, quand même, parce que j'y réfléchis à ce sujet. J'aime l'économie, j'aime réfléchir au fonctionnement des institutions, comment fonctionne le monde. Et ma solution, si vous voulez, c'était l'auto-entreprise pour chaque individu sur la Terre. C'est-à-dire que chaque homme est sa propre entreprise et quand il donne des services, il fait facturer les services, non pas à celui qui donne l'ordre, mais il facture à une banque centrale mondiale. C'est la Banque Centrale Mondiale qui finance toutes les auto-entreprises. C'est révolutionnaire comme système. Parce que vous allez me dire, mais où ils prennent l'argent? C'est là où, justement, ils n'ont pas besoin de le prendre quelque part, ils le fabriquent l'argent. Vous allez me dire, il y aura trop d'argent en circulation. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est la distribution, parce que il y a trop d'argent quand vous achetez de la marchandise. Parce qu'il n'y a pas assez de marchandises pour tout le monde. Mais avec l'argent, actuellement, les gens achètent de la marchandise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent
pas dépenser de l'argent dans les services. Mais si les services sont gratuits, ils n'achèteront plus de machines, ils n'achèteront plus d'objets, puisque les services seront gratuits. Ils achèteront des services. Puisque c'est la relance de l'économie par les services. Les services, ça ne consomme pas de matière première, ça ne consomme que du muscle et de l'intelligence. C'est la chose la plus gratuite qui existe, la plus écologique. Le service, quand quelqu'un vous rend service, un service physique, intellectuel, ça ne coûte pas de matière première, ça ne coûte pas de pétrole, ça ne coûte pas d'objets. Les services sont illimités, à l'infini. Et l'économie doit être réorientée vers les services. Pour réorienter l'économie vers les services, il faut qu'une banque centrale finance les services, qu'elle contribue à rendre les services gratuits. Et si vous avez des services gratuits, imaginez, vous n'aurez plus besoin d'acheter des objets, parce que les objets servent justement à éliminer les services. Quand vous avez une industrie, un industriel fabrique des objets pour s'enrichir. Mais s'il peut s'enrichir avec les services, il n'a plus besoin de vendre des objets. Et il faut orienter l'économie vers les services par des transformations de lois globales du monde industriel mondial. C'est, à mon avis, ce qui pêche dans le monde actuel. Par exemple, vous avez des paysans qui ne font que du service et ils sont étouffés. Pourquoi ils sont étouffés? Parce que s'ils avaient droit à la main-d'œuvre gratuite, ils pourraient embaucher 100 personnes gratuitement pour lui. Ce serait la banque centrale qui paierait les services des 100 personnes et le paysan serait prospère tout à coup. Il n'aurait plus à payer de tracteurs, il n'aurait plus à payer une main-d'œuvre, parce que c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. C'est la main-d'œuvre qui empêche l'économie de progresser. Si les industriels qui fabriquent tous les objets auraient la main-d'œuvre gratuite, ce serait facile pour eux. Et il faut donner le choix aux citoyens de rendre le service qu'ils souhaitent. Par exemple, moi, je peux rendre des services dans le domaine qui me convient. Et je ne vais plus être tributaire d'un patron qui va me payer, puisque je n'ai plus besoin de son salaire, c'est la banque centrale qui va me payer mes services. Je n'ai qu'à proposer mes services à la population, et comme ils sont gratuits, automatiquement j'aurai de la demande en pagaille, et je serai rétribué automatiquement par une banque centrale. Cet argent que je vais avoir, qu'est-ce que je vais en faire, vous pensez? J'en ai presque plus besoin. Si on me rend des services à moi, autant que ce que moi je rends des services, si tout le monde se rend des services, on n'a plus besoin d'argent à proprement parler. L'argent va être exceptionnel pour acheter des objets exceptionnels dont on ne peut pas se passer. Mais ça ne sera pas du gaspillage. Donc l'économie va se réguler toute seule. Par les services. Voilà. Oui, parce que moi j'entends, il y a des révolutionnaires qui veulent révolutionner, changer le monde, l'économie mondiale. C'est bien beau, à condition de bien le faire, c'est-à-dire dans la globalité, c'est-à-dire faire profiter le monde entier par leur découverte économique. Parce qu'il faut
quand même que tout le monde profite de cette nouvelle économie mondiale qui va se mettre en place. Et pour que tout le monde en profite, il faut donner des salaires aux plus petits, à la concierge, au nettoyeur, au taximan, à celui qui fait les courses, à celui qui aide une vieille personne. Il faut donner des salaires à tous ces gens qui sont actuellement le plus bas dans la société. Et pour donner des salaires, il faut que ce soit une banque centrale mondiale qui reverse les salaires à tous ces gens qui sont des premières mains. Et avec cet argent, ils feront quoi? Ils s'achèteront des objets indispensables, comme je vous disais. Mais ils ne vont pas dépenser tout leur argent. Enfin, ils en feront ce qu'ils veulent, d'après la demande qu'ils vont trouver, d'après l'offre qu'ils trouveront. Ça sera toujours pareil, le même monde, l'offre et la demande, qui fera varier les prix. Mais en attendant, tout le monde aura de l'argent s'il travaille. Il suffit de travailler pour avoir de l'argent et de ne pas avoir un employeur. Parce que l'employeur est quelque chose qui empêche les choses de tourner en rond. Un employeur est toujours réticent à employer les gens. Ça lui coûte trop cher. Mais si maintenant l'employeur embauche des gens, mais que ça ne lui coûte pas un sou parce que ces gens seront payés par la banque centrale, il n'aura que le choix d'employer qui il veut sur la terre, à des tâches utiles, bien sûr. Les gens feront que ce qu'ils pensent être utile, de première utilité. Et ça va être beaucoup mieux organisé, parce que l'organisation partira du bas et non pas du haut, comme actuellement. Actuellement, elle part du haut et en bas, ça reste sec. Il faut qu'en bas, ce soit arrosé pour que la plante, elle remonte d'en bas. Voilà, c'était ma conclusion d'aujourd'hui, parce que le monde ne pourra changer que à cette condition, en mettant l'accent sur les services, c'est tout. Chose qui n'est pas actuellement la priorité des gens qui dirigent ce monde. Surtout pas sur les services. Ils ont aboli les services de partout. Regardez, moi je donne des services, j'ai aucun employeur qui m'embauche. Pourtant, mes services valent quelque chose. J'ai 30 ans d'expérience dans les services. Je suis très très bon. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai 10 métiers en main. J'ai 10 métiers. Dans chaque spécialité, je n'ai pas de travail. C'est abominable. Abominable. Et vous avez en comparaison un jeune qui sort de l'école, qui ne sait rien faire, mais qui est ingénieur. Lui, on va le donner 4000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour la grosse industrie. L'industrie a toutes les finances actuellement. Ils sont arrosés par les banques centrales. On leur déverse des tonnes d'argent pour qu'ils continuent à fonctionner. Mais les petits comme moi, qui partent d'en bas, se retrouve à sec. Ce n'est pas normal, parce que le service que je donne, il est autant valable que celui d'un ingénieur. Pourquoi à l'un on donne 4000 et moi rien? Ce n'est pas normal. Je rends des services beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de valeur qu'un jeune qui sort de l'université. Vous voyez? Voilà, donc il y a une régulation à faire sur la manière d'employer les gens, remettre l'accent sur les services, mais les services gratuits, j'emploie. Je dis bien gratuit, c'est-à-dire, vous avez besoin d'un coup de main. Vous tombez en panne, vous avez besoin d'un coup de main, quelqu'un qui vous aide à faire quelque chose. Vous lui faites appel à lui, ce n'est pas vous qui payez, c'est une banque centrale.
Et là, vous, les gens qui rendent des services vont de suite être valorisés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'est la seule manière, je pense, de faire avancer le monde, vraiment en profondeur. Merci, au revoir. Thank you.